Océane. Bonjour Maxime. Je suis content de débuter avec toi cette interview. Moi aussi. Est-ce que tu peux souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont sur ton site internet? Eh bien, je vous remercie de regarder mon site et j'espère que vous allez trouver beaucoup de bonheur. Qu'est-ce que c'est l'art pour toi, Océane? C'est ma vie. Je ne pourrais pas faire autre chose que de l'art. L'art, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde et tout ce qu'on exprime et surtout ce que l'on donne aux autres. C'est quoi la plus belle chose que tu puisses donner De l'amour, des couleurs, et puis aussi exprimer des choses que des gens ne peuvent pas faire parce qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'y arrivent pas, donc ils peuvent se retrouver dedans. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais en tant qu'artiste plasticienne? Je suis artiste plasticienne depuis 1999. Avant, j'étais décoration designer. J'ai travaillé pour des grands groupes hollandais, anglais et français. Ensuite, après, on m'a offert une toile. Une amie qui est artiste, qui s'appelle Suzanne Corvézier, m'a offert une toile. Petite, normalement. 1m62 par 1m32. Et depuis, je peins. Je peins surtout sur toile, surtout des carrés, souvent de l'acrylique, mais mélangé aussi à des choses qui font des empreintes. Et en photographie? La photo, j'en ai toujours fait. Je suis attirée parce que la photo, c'est unique. Ce que voit ton œil, l'autre ne verra pas la même chose. Et c'est transmettre aux autres tes voyages, que tu vois, tes émotions, de l'urbain, c'est très important. Transmettre, c'est ce qui est le plus important, hein, selon toi. Oui, la transmission, le passage, l'empreinte aussi. L'empreinte, c'est-à-dire ce qu'on laisse derrière soi et pourquoi on le laisse. Le fait du passage, justement, de l'empreinte, mais aussi de la fusion. Dans le sens où, si par exemple on mélange des choses, on a une fusion qui va laisser une empreinte. La fusion est du coup une empreinte de l'un dans l'autre. Oui, c'est ça. D'un point de vue technique, est-ce que tu peux nous parler d'empreinte et de fusion? Ou est-ce que tu as un savoir-faire secret comme la plupart des magiciens? En photo, je ne dis pas comment j'obtiens ce que mon travail aujourd'hui. Simplement que ce n'est pas du numérique, ce n'est pas de la rétroprojection et ce n'est pas non plus de la retouche photo. Donc là, je reste secret, mode petite fille. Donc on saura tout ce que ce n'est pas. Oui, maintenant à trouver ce que c'est. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais transmettre aux visiteurs qui sont en train de nous regarder? L'amour de la vie, le partage aussi. Important et aussi de me découvrir. Au moins vous saurez qui je suis, peut-être un peu. Merci Océane. Je sais qu'ils veulent savoir qui c'est qui est derrière Océane.